Je me présente, je m'appelle Jane Jensen, je suis co-directrice du Centre Jean Monnet de Montréal, co-directrice par intérim pour cette année pendant le congé sabbatique de Laurie Beaudenet. C'est avec un plaisir immense que nous avons comme conférencier aujourd'hui David Paternotte. C'est un plaisir non seulement parce que, et je vais le présenter formellement, qu'il est le grand expert de ce sujet, mais aussi parce que je connais David depuis ses études doctorales et je l'ai suivi dans tout ce parcours qui a fait qu'il est devenu l'expert qu'il est. David Paternotte est professeur à l'Université libre de Bruxelles, où il co-dirige le STRIJ. Sans doute plusieurs parmi vous connaissez cette institution à l'intérieur de l'université. Il est aussi cofondateur et très impliqué dans le comité de gestion du master de spécialisation interuniversité en études de genre, un master qui est un master de collaboration de toute la Wallonie, Wallonie-Bruxelles. Ses travaux portent, comme nous allons entendre, portent sur les questions du genre, sexualité, mouvements sociaux. Avec un intérêt particulier pour la mobilisation internationale et transnationale. Il a publié, comme tout bon élève, il a publié sa thèse de doctorat, qui était vraiment une innovation à l'époque, parce que c'était publié en 2011, et c'est une analyse en sciences politiques de comparaison à plusieurs niveaux d'analyse. Le livre s'appelle Revendiquer le mariage gay, comparaison Belgique, France et l'Espagne. Après cet ouvrage vraiment innovateur dans le domaine, il a co-dirigé plusieurs ouvrages. Je ne vais pas les raconter parce que ça va prendre trop de temps. Je voudrais juste parler de deux des plus récentes. Je pense les plus récentes. C'est possible qu'il ait souhaité même plus, mais en 2018, il a co-dirigé un numéro de Politics and Governance qui s'appelle Is the Feminist Project Under Threat in Europe? Et puis en 2020, il a co-dirigé un ouvrage qui s'appelle Se mobiliser en Belgique, contestation sociale contemporaine. Donc, comme j'ai dit au début, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir David parmi nous, même si c'est avec ce système limité, mais il connaît bien Montréal et je suis certaine qu'il va venir très bientôt après la fin de la pandémie. Donc, David va parler pendant 30 à 40 minutes, suivi des questions et des commentaires. Donc, David. Voilà, merci Jane pour l'introduction. Merci à Jane, à George et à Ahmed pour l'invitation aussi. Donc voilà, désolé d'être à distance, mais c'est bien et ça permet. Vous m'entendez? Do you hear it? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ok. Donc voilà, ben merci pour l'invitation. Alors je vais commencer d'abord pour m'excuser, enfin, après avoir beaucoup discuté, réfléchi ce week-end. Donc, j'ai décidé que je préférais vous voir plutôt que de faire un PowerPoint, et comme ça, vous me voyez aussi. Éventuellement une date demain matin à 9h10 qui s'est libérée aujourd'hui. Et ça va? J'entends un bruit de fond. Donc, je vous disais que donc j'ai préféré ne pas faire de PowerPoint, à la fois pour des questions de sécurité et aussi pour pouvoir vous voir et me voir. Par contre, j'avais fait un plan que Ahmed a partagé dans le chat, mais je ne sais pas si le document peut être partagé ou pas.
pour vous aider à ne pas vous perdre, et puis j'essaierai de vous ramener régulièrement. Et par contre, à la place du PowerPoint, je vais commencer par une vidéo assez récente, juste pour dire que le sujet dont je vais parler aujourd'hui est un sujet qui est malheureusement d'une actualité brûlante, et juste pour donner quelques idées de ce qui s'est passé la semaine dernière, et la vidéo que je vais vous donner portera aussi sur un événement de la semaine dernière. Ben, on compte, outre les péripéties de la juge Barrett aux États-Unis, on a la Cour constitutionnelle polonaise qui a fortement réduit le droit à l'avortement en Pologne. On avait un forum en Colombie, le forum hémisphérique sur la liberté religieuse, organisé par le gouvernement colombien, dont je n'ai pas encore les résultats ou ce qui s'est dit, mais il ne fait aucun doute que les résultats vont dans un sens de restriction des droits des femmes et des personnes LGBT. Je reviendrai sur la liberté religieuse plus tard. Et ça s'inscrit dans une alliance globale qui unit les États-Unis, le Brésil, la Hongrie et d'autres. Et surtout, la semaine dernière, on a eu, et c'est ça que je vais vous passer, la signature de la déclaration du consensus de Genève, qui est une nouvelle initiative internationale, une des nombreuses initiatives internationales aujourd'hui, qui vise à combattre la promotion de l'avortement, surtout au sein de l'Organisation des Nations Unies, et qui est une initiative du gouvernement des États-Unis, qui est co-sponsorisée par les gouvernements du Brésil, de la Hongrie, de l'Indonésie, de l'Égypte et de l'Ouganda, ainsi que par 27 autres pays, dont la Pologne. Et je vais vous passer un extrait. Donc, il y a eu une cérémonie de signature virtuelle la semaine dernière aux États-Unis, et je vais vous passer l'extrait qui a été transmis par la ministre Novak, qui est la ministre hongroise pour la famille et la jeunesse, et qui est aussi la vice-présidente du parti de Viktor Orban, et qui, je pense, constituera une bonne introduction du propos aujourd'hui. Je vais essayer de vous partager l'écran. Voilà. Donc, ceci vous donne un peu une entrée. Le son fonctionne ? Très bien. Ok, parce qu'il m'est muet. D'accord. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une introduction de ce dont on va parler aujourd'hui. Je ne vais pas analyser la citation maintenant, on y reviendra et je pense que ça va s'éclairer au fur et à mesure de la conférence. Juste pour dire que malgré la pandémie, ces derniers mois, l'agenda anti-genre, ou ce qu'on a appelé les campagnes anti-genre, a été particulièrement intense en Europe et pas qu'en Europe. Donc pour donner quelques exemples, en Hongrie, puisqu'on était en Hongrie, le gouvernement Orban a profité au mois de mai d'une loi omnibus pour lutter contre la pandémie, pour lutter aussi contre les droits des personnes trans et des personnes intersexes. En Hongrie également, le gouvernement a refusé de ratifier la Convention d'Istanbul qui porte sur la violence à l'égard des femmes. En Roumanie, on attend la décision cette semaine, ce vendredi, le Parlement a voté une loi qui interdit l'enseignement du genre et notamment les études de genre avec maintenant une décision qui est devant la Cour constitutionnelle. En Russie, on a eu un référendum et on a eu un changement de la définition constitutionnelle du mariage. En France, par exemple, la Manif pour tous appelle à des politiques familiales plus ambitieuses et au développement d'une culture de la famille pour lutter contre la pandémie. Donc, on voit une multiplication d'initiatives anti-genre un peu partout. Et le constat, c'est que si la pandémie, par exemple, a réussi à arrêter l'anniversaire, les cérémonies anniversaires des 25 ans de la Conférence mondiale sur les droits des femmes qui s'est tenue à Beijing, par contre, les initiatives anti-genre continuent et je pense qu'elles continuent en partie, et j'y viendrai, parce qu'aujourd'hui, les États sont devenus un des principaux acteurs de ce qu'on appelle les campagnes anti-genre. Alors, par campagne anti-genre, il y a déjà quelques années maintenant, Romain Coire et moi avions tenté, donc c'était en 2017, d'insister sur des campagnes et des initiatives conservatrices qui se développent surtout à partir de 2010, et 2013 est vraiment l'année centrale où on voit un certain nombre de choses basculer en Europe et aussi en Amérique latine, et d'insister sur la nouveauté des mobilisations qu'on voyait par rapport à ce qu'on avait pu voir avant, surtout en Europe, sur les caractéristiques communes que l'on voit dans les différents pays à propos de ces campagnes. Donc, on voit les mêmes slogans, les mêmes discours, les mêmes affiches, des stratégies assez similaires, sur la dimension transnationale, voire globale, sur un changement générationnel, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une nouvelle génération de militants, sur la professionnalisation du mouvement, et surtout sur l'idée qu'en fait toutes ces mobilisations, qui paraissent assez hétéroclites, disent tous se mobiliser contre le genre, ce qui est appelé l'idéologie du genre, la théorie du genre parfois en français, ou le genderisme dans les pays germanophones, qui renvoie à l'idée qu'en gros toutes ces réformes sociales, toutes ces réformes morales, seraient des réformes qui sont causées par le genre. Le genre qui serait une matrice, qui serait derrière le droit à l'avortement, la lutte contre les violences à l'égard des femmes, le mariage homosexuel, les études de genre, etc. Et donc, ce qui est important, c'est que cette idéologie du genre, ou ces
en fait, offre aujourd'hui un kit transnational dont, et j'y reviendrai, les principales caractéristiques, c'est l'adaptabilité, la flexibilité. Et ce qu'on note aujourd'hui, c'est une expansion géographique, une accélération de ces campagnes et surtout une diversification des acteurs qui sont impliqués, avec le fait que l'Église n'est plus nécessaire, l'Église catholique n'est plus nécessairement ni le moteur ni le principal acteur de ces campagnes. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est revenir sur trois scènes importantes. La première, c'est l'Église catholique. Et je viendrai, bon, pour les gens qui ne connaissent pas le sujet, j'expliquerai pourquoi est-ce que ça me semble important de revenir quelques instants sur l'Église. Ensuite, les partis populistes et d'extrême droite, qui, je pense, ça s'inscrit directement dans le propos du cycle de conférences dans lequel je suis aujourd'hui. Et troisièmement, je reviendrai sur les États. Et ce qui est important, c'est, d'une certaine manière, c'est que je vais prendre l'inverse du travail que j'ai pu faire avec d'autres dans le passé. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de montrer qu'on a là un phénomène commun et de montrer qu'au-delà des différences nationales et au-delà de tout ce qu'on voit un peu partout, il y a un phénomène unique et qu'on a appelé campagne anti-genre et qu'on a essayé de faire exister dans le débat public et dans le débat scientifique. Ici, l'idée, c'est plutôt la condition inverse, c'est de s'interroger sur les différences entre différents acteurs, entre différentes mobilisations, utilisations de ces campagnes, en posant en gros des questions qui sont mais qui parle du genre, d'où on en parle, qui en parle, à quoi ça sert surtout, et donc de s'interroger sur les conditions dans lesquelles ces campagnes sont mobilisées pour se demander quelles sont les formes qui sont prises par ces différents phénomènes. Et donc conceptuellement, il y a trois grands types de concepts qui seront utilisés ici, qui ont déjà été utilisés pour étudier ces questions. Le premier, c'est le concept de signifiant vide ou flottant, plutôt dans le sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire en gros que l'idéologie du genre, ben, pour faire court, c'est quelque chose qui veut dire tellement peu de choses qu'en fait on peut lui faire dire beaucoup de choses, et que c'est un signifiant qui est extrêmement ouvert et qui est prêt, qui a la capacité à être adapté, à être adapté à des contextes différents et à des objectifs politiques différents. La deuxième idée, c'est l'idée de col symbolique qui a été proposée par plusieurs collègues en Hongrie et en Pologne, Véronika Grzebalska, Esther Kovács et Andrea Peto, avec l'idée que le genre permet d'articuler des acteurs aux intérêts et aux objectifs très différents autour d'un projet commun, de créer une figure unique de l'ennemi et de créer un symbole simple et puissant pour de nouveaux combats. Et donc le genre est un symbole pas simplement du genre, mais aussi au-delà du genre. Et la troisième idée qui me semble intéressante dans ce que je vais développer, c'est l'idée de code idéologique. Code idéologique qui est un concept assez ancien qui a déjà plus de 10 ans, qui vient de la sociologue canadienne Dorothy Smith, quand elle travaillait sur le politiquement correct. Et elle expliquait, en travaillant sur le politiquement correct, que ce qui fait la force de ce terme, et je pense qu'avec l'idéologie du genre, c'est pareil, c'est l'idée de code symbolique, l'idée qu'en fait, c'est quelque chose qui va structurer le texte ou la parole, et qui en fait est répété, et qui est répété énormément de fois par des gens qui ne se rendent pas nécessairement compte d'où ça vient. Et donc, ce code idéologique a une vie propre, une vie qui lui permet, qui renforce en fait sa force, parce que même quand on essaye de s'opposer à un code idéologique, on renforce son existence. C'est-à-dire en disant que l'idéologie du genre n'existe pas, on renforce le fait qu'il y aurait quelque chose qui s'appelle idéologie du genre. Et donc ces mécanismes de répétition sans savoir d'où ça vient et sans connaître la source constituent sans doute une des forces par lesquelles aujourd'hui l'idéologie du genre s'est imposée comme catégorie du débat public et politique. Alors si on commence par l'Église, ça, c'est assez simple. Pour celles et ceux qui connaissent les travaux plus anciens, l'idéologie du genre, c'est une invention du Vatican. Et donc, il faut revenir exactement à ce qui s'est passé il y a 25 ans. Donc, 1994, la conférence du Caire sur la population et le développement. 1995, la conférence de Pékin sur les droits des femmes. Et dans les deux cas, ce sont des conférences qui sont importantes pour l'ONU parce qu'on va reconnaître les droits sexuels et reproductifs et le genre, notamment dans le discours des Nations Unies. Et à l'époque, le Vatican, avec le pape Jean-Paul II, essaye de s'opposer très fortement à ces avancées. Donc, le Vatican déploie tout l'arsenal diplomatique à sa disposition pour essayer de bloquer ces deux avancées. Et c'est un échec. Alors, il y a d'autres choses que le Vatican va bloquer. Et si on discute avec les actrices de l'époque, elles pourront expliquer les nuits entières à discuter, à négocier les difficultés. Mais malgré tout, le Vatican vit ça comme un échec. C'est-à-dire, deux choses absolument essentielles dont le Vatican ne voulait pas sont passées. Et suite à ça, il y a une époque d'élaboration intellectuelle qui date de 1995 à 2005, plus ou moins, où le Vatican va essayer à la fois de comprendre ce qui s'est passé à Pékin et au Caire, et va essayer de proposer une alternative, une contre-stratégie.
Et l'idéologie du genre joue les deux choses, intervient pour remplir ces deux fonctions. C'est-à-dire, c'est à cause du genre que les droits sexuels et reproductifs auraient été adoptés à Pékin, au Caire, pardon. Et donc, tout ce qui s'est passé à l'ONU, c'est à cause de cette idéologie. On trouve des textes à l'époque qui expliquent que, en fait, le mot genre est une stratégie sournoise des féministes qui veulent prendre le pouvoir. Et puis, on a les bonnes féministes, celles de la différence des sexes. Et puis, on a les mauvaises féministes, celles du genre. Sous-entendu, souvent, que ces féministes-là veulent abolir la différence des sexes, sont lesbiennes, etc. etc. Deuxième, donc ça, c'est la stratégie, ça, c'est le cadre d'analyse, c'est-à-dire l'idéologie du genre explique ce qui s'est passé lors de ces événements onusiens. L'autre élément important, c'est que c'est aussi une stratégie d'action. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique, comme l'extrême droite d'ailleurs, s'inspire de Gramsci. Et l'idée, véritablement, c'est de changer, de reprendre le terme genre et d'en changer la signification, de proposer autre chose. Et puis, on lâche à nouveau ce terme dans le débat public, mais il signifie autre chose que ce que le terme genre pouvait signifier pour les gens qui font des études de genre ou pour les gens qui travaillent dans les administrations publiques et qui font des politiques d'égalité de genre. Et donc, ça, c'est une stratégie qui a été construite au fur et à mesure, notamment par un grand nombre de conférences, de publications. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre 2005, date à laquelle on a plusieurs documents importants du Vatican qui sont publiés, et 2010-2015, c'est l'époque où on va diffuser ce discours à travers le monde entier par un certain nombre de canaux sur lesquels je ne vais pas revenir. Ce qui est intéressant, c'est que depuis lors, ce discours vit en partie hors de l'Église et l'Église n'a pas changé son discours. C'est-à-dire malgré ce qu'on peut penser sur le pape actuel et malgré des changements parfois réels d'ailleurs qu'il fait au Vatican, sur cette question-là, le discours n'a pas changé, c'est-à-dire la doctrine de l'Église sur la question du genre n'a pas changé. L'action diplomatique de l'Église catholique, par exemple, à l'ONU n'a pas changé. Ou, pour l'anecdote, je devais notamment co-écrire un rapport sur l'idéologie, sur les campagnes anti-genre pour le Conseil de l'Europe. Ce rapport, très probablement, ne sortira pas parce que tout le monde a peur du Vatican, notamment. Donc, ça donne une idée de l'action diplomatique du Vatican continue. Et il y a même une réaffirmation de ce discours. Ainsi, par exemple, en 2019, la Congrégation pour l'éducation catholique a republié un document qui s'appelle « Il les créa, hommes et femmes » et qui est intéressant à certains égards parce qu'il y a une vraie discussion de la distinction entre sexe et genre, qui est, je pense, la première fois que l'Église passe autant de temps à discuter de cette distinction. Il y a des nouveautés, donc je pense que c'est la première fois que l'Église va parler du polyamour, c'est la première fois que l'Église parle des phénomènes queer. On apprend aussi qu'il y a des bonnes et des mauvaises études de genre, donc je ne sais pas si je suis dans les bonnes ou les mauvaises, mais il y a celles qui sont idéologiques et puis il y a celles qui essayent d'améliorer la situation des femmes. Et puis surtout, on a l'approche du pape, l'approche de la miséricorde, c'est-à-dire on ne change pas la doctrine, mais on va accueillir les pécheurs. Et on va avoir une approche compassionnelle à l'égard des personnes qui ont besoin d'être aidées. Ceci étant, il y a une condamnation claire dans ce document de l'idéologie du genre, condamnation que l'on retrouve dans d'autres textes, et je vous ai préparé ici une citation un peu longue, mais une citation du pape dans un livre de 2020, où il explique que le genre donc, est une des manifestations contemporaines aujourd'hui du mal. Et donc il répond à la question qui lui est posée sur le mal en disant « L'une d'elles, donc manifestation du mal, est la théorie du genre. Mais je tiens à préciser immédiatement qu'en disant cela, je ne parle pas des personnes qui ont une orientation homosexuelle. Le catéchisme de l'Église catholique nous invite au contraire à accompagner et à accorder une attention pastorale à ses frères et sœurs. Ma référence est plus large et fait allusion à une racine culturelle dangereuse. Celle-ci propose implicitement de vouloir détruire à la racine le projet de création que Dieu a voulu pour chacun de nous, la diversité, la distinction. Obtenir un tout homogène, neutre, c'est s'attaquer à la différence, à la créativité de Dieu, à l'homme et à la femme. Et donc ça continue, mais donc vous voyez là qu'on a un refus très clair au nom avant tout de la différence des sexes. Donc tout ça pour dire, en bref, qu'il n'y a pas de changement au Vatican, c'est-à-dire l'idéologie du genre est toujours quelque chose qui est condamné, il y a des changements sur d'autres choses, on peut en parler après, mais pas sur cette question-là. Et pourtant, là, aujourd'hui, la scène catholique est plus compliquée que ça et est plus intéressante, mais elle se situe ailleurs. Et j'ai vu que Massimo Préaro était aujourd'hui aussi dans la salle. Donc, on s'en est rendu compte, notamment quand on était tous les deux assis en mars 2019 à Vérone, dans la salle où se déroulait le Congrès mondial des familles, qui est une des réunions en principe annuelles, même si on n'a pas eu en 2020, des anti-tout, des anti-genres d'un peu partout, des États-Unis, de Russie, d'Europe surtout.
Et on était très étonnés, donc on était en Italie, à Vérone, donc au nord de l'Italie, et le Vatican n'avait envoyé personne, ni dans les orateurs, ni dans le public. C'est-à-dire, ils avaient envoyé l'évêque local qui est venu un petit peu, et puis surtout était invité comme dignitaire catholique des opposants au pape. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose d'étrange, et on s'est demandé ce qui s'est passé. Et les proches du pape ont répondu assez vite en expliquant en fait que même s'ils soutenaient l'objectif de cette conférence, qui était la défense de la famille, le Vatican s'oppose à la méthode, et la méthode, c'est collaborer avec l'extrême droite et les populistes qui étaient représentés en nombre à cette conférence. Et c'est un discours qu'on retrouve énormément aujourd'hui au Vatican et qui est assez intéressant. C'est l'opposition constante que fait le Vatican, par exemple à Donald Trump. Et rappelez-vous, comme le Vatican a refusé, enfin le pape a refusé de recevoir le secrétaire d'État des États-Unis il y a 2 semaines, je pense 2 ou 3 semaines à Rome, et une condamnation assez claire du populisme. On le trouve par exemple en 2017 dans un article dans un journal jésuite de collaborateurs assez proches du pape, dans lesquels il condamne l'alliance entre les évangélistes et les catholiques, et il condamne les alliances des catholiques avec Donald Trump et Steve Bannon. On le retrouve dans l'encyclique qui vient de sortir, qui est écrite dans un parfait style jésuite, mais qui condamne très clairement le populisme. Et on le retrouve aussi, ici je vais vous citer, dans un livre, par exemple, du pape de 2020, Je crois, nous croyons, où la condamnation est un peu plus explicite. Donc le pape actuel nous dit: le populisme opprime les pauvres et instrumentalise la foi. Une autre caractéristique du populisme est qu'il construit un culte autour de son porte-parole, le grand prêtre. La figure du grand prêtre est centrale dans cette critique du populisme, d'ailleurs. Nous en avons connu beaucoup. Pensez à Hitler. Pensez à lui, ça suffit. C'était un grand prêtre populiste, un élu, un dieu. C'est ainsi qu'on le croyait. Les populistes sont des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à eux-mêmes et non aux autres, qui s'abandonnent à la misère, tuent ou laissent mourir, et nourrissent le culte d'eux-mêmes, se croyant Dieu. Emblématique en ce sens est l'histoire de Napoléon, l'homme sûr de lui qui s'est couronné, qui a connu le plaisir pervers de forcer un pape en captivité. À la fin de sa vie, le Seigneur a eu la miséricorde de lui faire ressentir l'humiliation, et il est mort comme un pauvre homme confiné sur une île. Peut-être que là, le Seigneur lui a pardonné beaucoup de choses. Alors de nouveau, il y a beaucoup de choses dans cette citation, notamment l'approche de la miséricorde. Ce qui est intéressant pour notre discussion, c'est de se rendre compte qu'il y a une condamnation claire du pape et que donc le pape ne veut pas travailler avec des gens comme l'administration des États-Unis, dont je vous ai passé une vidéo il y a quelques instants. Alors que logiquement, ils ont l'air de se battre pour la même chose et de condamner les mêmes choses, ce qui est assez intéressant en soi. Et de là, je pense, 2 hypothèses que l'on peut poser. D'une part, c'est de se demander, ben, ce qu'on voit, c'est que le discours contre le genre du pape, ou la condamnation de l'avortement du pape, qui est très claire aussi, par exemple, traduisent les convictions du pape lui-même, ça c'est sûr. Mais par ailleurs, et je pense à cette importance, c'est une tentative de gage vis-à-vis des conservateurs. C'est-à-dire, on a un pape qui a une opposition que peu de papes ont connue, et il essaye de naviguer de manière constante entre des branches assez différentes de l'Église, et l'opposition au genre s'inscrit dans ces luttes de pouvoir pour garder les conservateurs au sein de l'Église. Et la deuxième hypothèse qui me semble importante, c'est de se dire aussi qu'il y a peut-être une volonté de la part de l'Église de ne pas perdre cette invention, cette création qui est l'idéologie du genre. C'est-à-dire, et ça c'est une hypothèse, je n'ai aucun élément pour pouvoir le prouver en tant que tel, mais l'idéologie du genre est un des plus grands succès catholiques des dernières décennies, et en même temps aujourd'hui c'est quelque chose qui échappe assez largement à l'Église catholique et qui est reprise par des acteurs dont le Vatican n'a pas envie, avec lesquels le Vatican ne souhaite pas travailler. Donc ça c'est la première scène, c'est la scène catholique. En très résumé, donc c'est l'idée, voilà, on a une invention catholique, un projet qui est fondamentalement catholique au départ et dont le succès aujourd'hui dépasse de loin la sphère catholique, au point peut-être d'incommoder les autorités au Vatican. Alors après, la deuxième scène que vous connaissez sans doute en partie, ce sont les partis populistes et les partis d'extrême droite. C'est-à-dire, on voit de plus en plus qu'un certain nombre de partis d'extrême droite et populistes, sans rentrer dans les distinctions entre ce qui est extrême droite ou ce qui est populisme, ont un discours, ont adopté un discours sur le genre. Alors on trouve ça chez EDF en Allemagne, on trouve ça en Belgique avec le Vlaams Belang ou la NVA, on trouve ça dans le parti de Poutine. En France, c'est Marion Maréchal Le Pen. Marine Le Pen est assez discrète sur la question. On trouve ça avec Viktor Orban, on trouve ça avec Loi et Justice en Pologne. Et 2 exemples de nouveau ici récents qui viennent d'Italie et d'Espagne. On trouvait ça avec Salvini et avec celle qui lui succède d'une certaine manière dans un autre parti avec Meloni, et on trouve ça avec Vox en Espagne. Alors pour donner une idée qui va déjà introduire la discussion, quand on était l'année dernière
oui, l'année dernière. En 2019, à Vérone, avec Massimo, on a eu, j'ai eu, puisque j'étais seul à ce moment-là, l'honneur d'écouter Matteo Salvini, qui a fait un discours assez impressionnant durant l'événement, notamment pour expliquer, pour mettre en garde les féministes et les défenseurs des droits des femmes contre d'autres droits. Donc, d'une part, Salvini va faire un discours dans lequel il condamne la théorie du genre comme étant, en faisant référence à Orwell, en disant que c'est la pensée unique, en disant que c'est le ministère de la vérité, que c'est la novlangue d'Orwell, et que c'est un discours imposé avec une imposition idéologique très forte, ce qu'on retrouvait dans le discours de la ministre hongroise. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que Salvini nous explique que pour lui, donc il y a des grosses manifestations qui se déroulent en même temps à Vérone, et il dit que c'est un business organisé par les manifestants qui sont toujours les mêmes. Et alors, ce qui est intéressant, il dit que les féministes parlent des droits des femmes et font semblant de ne pas voir quel est le danger réel principal pour les femmes, qui n'est pas le congrès qui est en train de se tenir, qui n'est pas le congrès mondial des familles, mais qui est l'extrémisme islamique par lequel la femme vaut moins que zéro. Et donc il attaque l'islam. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on a un discours où il va lier, et je vais revenir là-dessus, le discours anti-genre classique avec un discours qui est un discours d'extrême droite contre l'islam. Autre exemple qu'on retrouve en Espagne, donc Vox va utiliser ce discours-là très récemment, encore la semaine dernière, ils l'ont utilisé dans la motion de censure au gouvernement. Et là, on a un discours qui se pose surtout à la question de la violence de genre et à la lutte contre la violence à l'égard des femmes, en expliquant d'une part que la violence n'a pas de genre, c'est-à-dire que les hommes et les femmes peuvent être tout autant victimes de la violence, et que pour cette raison-là, il faut des lois, et que par ailleurs, la loi est un échec. Alors, Vox nous explique, par exemple, nous sommes contraires à la loi de violence de genre parce que les hommes et les femmes sont égaux en droit et en liberté, comme le prévoit notre Constitution, et que la loi donc, de violence de genre porte atteinte à la présomption d'innocence en créant une inégalité juridique et des tribunaux spéciaux. Ensuite, ils nous disent, la violence de genre, cependant, ne se combat pas en arrosant d'argent public des associations privées d'un contenu idéologique marqué, ni avec des campagnes de propagande qui criminalisent à l'homme, sinon qu'on combat la violence de genre en éduquant dans la famille et à l'école. Donc, on voit le même genre de discours qui sont des discours d'extrême droite qui, aujourd'hui, circulent un petit peu partout en Europe. Et je pense que là, le but sur la violence de genre, le but est double. D'une part, on a une dynamique électorale. Une dynamique électorale avec une dynamique assez classique de recherche de boucs émissaires, avec la volonté d'une part d'augmenter les voix et d'autre part également d'augmenter la base électorale, avec tout ce qui a été étudié dans les travaux sur le populisme, sur la question de lutter, de rassembler des déclassés, des déçus, en tout cas des gens qui pensent avoir perdu un certain nombre de privilèges, de rassembler des déçus du libéralisme, par exemple en Europe centrale et orientale, de travailler à la nostalgie d'un monde perdu, et également de rassembler les victimes du néolibéralisme. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on voit énormément en Pologne. À chaque campagne électorale en Pologne, et on l'a vu encore récemment, on va avoir des campagnes contre les personnes LGBT. Et on voit un lien assez fort entre campagne électorale et accentuation des violences contre les personnes LGBT. On l'a vu en Russie aussi au début de la pandémie. Poutine fait un référendum constitutionnel, eh bien, on va ajouter la révision de la définition constitutionnelle du mariage. Et donc ça, c'est un premier lien important, c'est utiliser ces campagnes à des fins électorales. L'autre élément qui, je pense, est intéressant, c'est une stratégie de renouvellement du discours d'extrême droite. C'est-à-dire ce qu'on voit de plus en plus, il y a une réelle élaboration dans différents cénacles de ce que c'est que le discours d'extrême droite, de comment il se construit, etc. Et le discours anti-genre permet de renouveler un arsenal qui était ancien. Je vous donne un exemple avec le grand remplacement. Vous connaissez sans doute la théorie du grand remplacement, donc l'idée qu'on aurait un remplacement des populations autochtones par des populations musulmanes et une certaine islamisation de l'Europe, discours n'est pas du tout un discours catholique, qui est un discours qui vient de l'extrême droite, souvent attribué à l'extrême droite française et à Renaud Camus. Eh bien, aujourd'hui, on trouve ce discours, par exemple chez Viktor Orban, mais aussi dans la citation de Salvini que je vous avais donnée, on trouve ce discours à l'extrême droite, avec une combinaison de plusieurs idées. C'est-à-dire, d'une part, on utilise l'idée d'hiver démographique. L'hiver démographique, qui est une idée qu'on trouve dans les discours anti-genre. En gros, ça part d'un constat qui est réel, c'est-à-dire les femmes ont moins d'enfants,
Et donc, on a un problème de renouvellement des générations et on le voit par exemple dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et aujourd'hui des peurs assez fortes de disparition d'un certain nombre de populations, de nations d'Europe de l'Est, simplement parce qu'il n'y a plus de reproduction. Donc, on part de ce discours sur l'hiver démographique et on le lie avec le grand remplacement. En gros, ça fait quoi ? Ben, ça fait que c'est parce que les femmes ne font plus d'enfants que l'Europe va s'islamiser. Et donc, on arrive à fusionner deux idées, à élargir une idée et à la rendre attirante vers plus de monde. Et de nouveau, Viktor Orban est un des experts de ce genre de discours où il arrive à combiner ensemble ces différentes options avec comme solution de proposer des politiques familiales ambitieuses pour lutter contre l'islamisation de l'Europe et le grand remplacement. Et donc, la politique familiale devient aussi une réponse à une politique migratoire qu'on ne veut pas développer, par exemple. Donc, on voit ce genre de tour de passe-passe dans les sphères d'extrême droite ou de populistes. Et le dernier aspect que je vais développer, ce sont les États. Donc, pas simplement les partis, même si je vous ai parlé de Viktor Orban, pas simplement les partis d'extrême droite ou populistes, mais aussi les États en tant que tels. Et ça, je pense, c'est un changement qualitatif important et un changement qui explique en partie pourquoi est-ce que les campagnes anti-genre restent aussi actives aujourd'hui, malgré la pandémie, malgré le fait qu'on ne peut plus faire de manifestations, malgré que tout est au ralenti, et pourtant, ça continue. Et ce qui est important, juste pour illustrer ça de nouveau avec Orban, pour vous donner une idée, quand on a fait le livre sur les campagnes anti-genre, le chapitre hongrois, en 2017, dans la version anglaise, c'était « Orban n'a pas encore développé de campagne anti-genre, mais tout porte à croire qu'il va le faire ». Et le chapitre est vraiment écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas, mais qu'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que la traduction française qui sort en 2018, eh bien, il a fallu revoir le chapitre hongrois, et le chapitre est devenu, il n'y avait pas beaucoup de changements à faire, mais le chapitre est devenu, Orban a développé des campagnes anti-genre à ce moment-là, vers 2016 plus ou moins, 2016-2017, et voilà pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Et donc, ce qui est intéressant dans cette observation, c'est que Orban, au début de son mandat, n'était pas intéressé par la question du genre. Mais nos collègues hongrois savaient très bien qu'ils lisaient des choses, elles avaient pu notamment, j'imagine, dans des photos officielles, qu'il avait des livres sur le sujet, on savait qu'il y avait un intérêt, il y avait une infrastructure, il y avait des discours qui circulaient en Hongrie, mais il n'y avait pas de campagne. Et par ailleurs, on se rend compte que c'est une campagne qui est surtout orchestrée depuis l'État, c'est-à-dire qu'Orban a orchestré cette campagne en étant déjà au gouvernement. Ce n'est pas comme le discours de Vox, ce n'est pas comme le discours de l'AFD ou de Marion Maréchal Le Pen qui est fait depuis l'opposition, depuis le Parlement et depuis la rue. Et donc, on voit deux choses. On voit d'une part qu'aujourd'hui, un certain nombre d'antigens arrivent au pouvoir. C'est ce qu'on a vu avec Salvini notamment, le ministre de la famille du gouvernement dans lequel était Matteo Salvini en Italie, venait des mouvements anti-genre et a pu porter un certain nombre de ses réformes, ou en tout cas essayer de les porter durant son mandat au pouvoir. L'autre élément qui est plus nouveau et qui est plus intéressant, c'est l'intérêt d'un certain nombre de gouvernants dans ces campagnes anti-genre comme des outils qui leur permettent de consolider leur pouvoir, qui leur permettent de réaliser, de renforcer le pouvoir d'État, de gagner des élections suivantes et de ne pas perdre le pouvoir, d'augmenter les soutiens autour de leur politique, de s'imposer sur la sphère internationale. Trois exemples de nouveau importants. On voit d'une part des politiques nationales ambitieuses dans les questions anti-genre. De nouveau, le pays le plus ambitieux, c'est sans doute la Hongrie. Et donc, Madame Novak, que je vous ai passée au début, est une des artisans de celles qui réalisent ces campagnes aujourd'hui. Et la Hongrie a développé une politique familiale importante pour lutter contre l'hiver démographique et pour éviter d'ouvrir les portes aux migrants musulmans. Et donc, une politique familiale où l'État va prendre en charge du coût financier des enfants supplémentaires dans les familles. Et si vous allez à ces conférences anti-genre, comme j'étais un petit peu partout, la Hongrie est présentée comme l'État à suivre aujourd'hui au niveau des politiques familiales en Europe et comme le modèle d'une vraie politique familiale. Autre exemple, par exemple, on le voit en Espagne avec Vox, les régions, on verra si ça continue, mais dans les régions où la droite gouverne avec l'appui de Vox, il y a eu un frein qui a été mis à un certain nombre de politiques, surtout en termes de violence de genre, mais aussi en termes d'éducation sexuelle dans les écoles. Donc, des freins qui sont en général discrets, c'est-à-dire qu'on évite de voter des budgets, on évite de nommer des gens, mais qui parfois peuvent prendre des formes plus violentes, comme ça a été le cas par exemple en Andalousie, où il y a eu des demandes qui ont été acceptées de fournir les listes, par exemple, des gens qui font des formations sur les violences de genre. Donc, on a des choses qui sont tenues. Donc, ça, c'est la première chose, c'est qu'on voit des politiques nationales anti-genre qui se développent, et ça, c'est nouveau. Il y a quelques années, il n'y avait pas de politique publique anti-genre, ou très très peu. Deuxième élément important, c'est un intérêt pour la politique internationale.
C'est-à-dire que les questions anti-genre deviennent un enjeu de politique internationale et deviennent un enjeu par lequel on gagne une visibilité internationale. Quand je vous ai montré la secrétaire d'État hongroise, eh bien, personne n'aurait attendu il y a quelques années qu'une secrétaire d'État ou une ministre hongroise, puisque le ministre depuis pas longtemps, intervienne avec le gouvernement des États-Unis dans un acte officiel. Et par exemple, pour la Hongrie, ces politiques anti-genre permettent de se placer sur la scène internationale. On le voit surtout avec la Russie, c'est-à-dire la Russie et Poutine s'est vraiment intéressé à ces questions-là à partir du moment où l'Europe a commencé à lui tourner le dos et a trouvé dans ces questions de genre et de sexualité un symbole du projet d'alternative à l'Union européenne qu'il essayait de construire. Et donc, en associant l'Union européenne au genre, à la promotion de l'égalité de genre, des droits des minorités sexuelles, avec des termes comme féminazi, comme guéropa, des choses comme ça, eh bien, Poutine fournit un autre projet alternatif, tant en interne que aussi dans la sphère d'influence traditionnelle de la Russie. Et par exemple, on voit en Arménie, on l'a vu en Ukraine surtout, l'utilisation de ce discours contre la propagande de l'Union européenne. Et donc là, ça rentre dans des jeux géopolitiques entre des blocs différents. Et alors, le plus intéressant, peut-être le plus récent, c'est la multiplication d'initiatives diplomatiques parallèles, comme celle dont je vous parlais au début de la conférence avec la vidéo. C'est-à-dire, on voit, et ça c'est vraiment quelque chose des dernières années, on voit une multiplication d'alliances nouvelles, en général avec les mêmes, donc on sait souvent États-Unis, Brésil, Hongrie, Pologne et quelques autres, la Russie dans un certain nombre d'initiatives, mais pas dans toutes. On voit de nouvelles initiatives diplomatiques qui essayent de promouvoir une alternative à l'ordre libéral qui était celui, par exemple, des Nations Unies et qui était celui d'un certain nombre d'autres organisations internationales. Alors, il y a trois grands domaines dans lesquels ça se passe. C'est le genre, c'est la démographie, avec des sommets sur la démographie, par exemple, et lutter contre cet hiver démographique, et c'est la liberté religieuse. Et la liberté religieuse est peut-être la chose la moins évidente, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui de plus en plus des acteurs qui défendent le droit, qui s'insurgent notamment contre la persécution des chrétiens, par exemple au Moyen-Orient, mais pas uniquement, et utilisent ce discours pour promouvoir un discours de lutte contre les droits des femmes et des minorités sexuelles. Et donc, voilà, ce sont un petit peu les trois grandes sphères qu'on a aujourd'hui au niveau des États. Ce qui m'amène à la conclusion, puisqu'il est presque là. Alors, ce que j'ai voulu faire en dressant ces quelques sphères, en dressant ces quelques lieux où on a des campagnes anti-genre, c'est de vous montrer que, de la même manière qu'il n'y a pas au Vatican une salle où quelqu'un orchestre les campagnes anti-genre, il n'y a pas non plus une cause ou un principe unique, il n'y a pas un mode de fonctionnement uniforme des campagnes anti-genre. C'est aujourd'hui, on ne peut plus dire que les campagnes anti-genre, c'est une seule chose partout, je pense. On a quelque chose qui est polymorphe, qui est mouvant, avec les caractéristiques essentielles qui sont la flexibilité, la plasticité, l'adaptabilité de ce que c'est. Donc, je pense que c'est vraiment un kit transnational dont on peut prendre des éléments différents suivant les intérêts qu'on a. Et si on est une organisation religieuse, j'aurais pu parler des orthodoxes ou des évangélistes, je ne l'ai pas fait. Si on est un parti politique, si on a un État, on va avoir d'autres intérêts dans ce qu'on fait avec ces campagnes. Et je pense que ça amène à trois conclusions importantes. La première, c'est une remise en cause, et ça je l'ai développé ailleurs si ça vous intéresse, de la formule du backlash. L'idée que ce qu'on voit, c'est un backlash qui est pensé de manière assez mécanique, avec l'idée qu'en gros, c'est un retour, c'est une volonté de contrer les avancées au niveau des droits des femmes ou au niveau des droits des minorités sexuelles. Et je pense à la fois, il y a des critiques théoriques. C'est souvent l'idée de backlash quand on lit, même si des auteurs ont essayé d'aller plus loin, c'est une vision assez mécanique de l'histoire, c'est un peu action-réaction, et on fait un progrès, et paf, quand il y a un progrès, on aurait automatiquement un coup de bâton pour essayer de freiner ça, qui est une vision un peu simpliste de l'histoire, je pense, premièrement. Deuxième élément aussi, c'est qu'empiriquement, ça ne marche pas. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, on a identifié, avec Neil Data, avec lequel je travaille beaucoup, en gros, 5 cibles différentes sur les campagnes anti-genre. Donc, on a les droits sexuels et reproductifs, c'est ce qu'il y a de plus ancien, les droits LGBT, les droits des enfants et l'éducation sexuelle ou l'éducation de genre, tout ce qui tourne autour du genre, violence, études de genre, gender mainstreaming, etc. Et enfin, tout ce qui concerne les législations autour de la discrimination et du discours de haine. Ce qui est intéressant, c'est que suivant les pays, on ne va pas attaquer les mêmes enjeux. Par exemple, en France, personne n'a attaqué l'avortement pour l'instant. Dans d'autres pays, c'est l'avortement qui est au cœur des débats. La Pologne, c'est un des exemples, par exemple. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que les enjeux qui sont attaqués sont assez différents, mais que par ailleurs, c'est en général toujours la même liste. Donc, on commence par un enjeu et puis on passe au suivant sur la liste. C'est un peu ce que fait Orban.
Il a commencé par les études de genre. Ben après, on a la Convention d'Istanbul sur les violences de genre. On a les droits des personnes trans et intersexes. Et on ajoute des choses à la liste. Là, il y a deux semaines, c'était la propagande homosexuelle dans les écoles. Donc, il prend un autre enjeu de la liste en fonction dans un ordre qui n'est pas tout à fait défini. Et donc, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment… Ça dépend assez peu de ce qui est sur la table et c'est rarement une réaction directe à un débat politique dans un pays donné. L'autre élément plus intéressant… Si on prend par exemple la Bulgarie et la Roumanie, ce sont deux pays qui ont commencé les campagnes anti-genre au même moment, vers 2018. On voit les mêmes campagnes dans les deux pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont été provoquées par des enjeux différents. C'est-à-dire en Bulgarie, ça va porter sur la Convention d'Istanbul et les violences de genre. En Roumanie, ça porte sur la définition constitutionnelle du mariage. Et donc, on voit exactement les mêmes campagnes sur des enjeux assez différents. Et donc, on ne peut pas vraiment voir, en tout cas, quand on fait la comparaison internationale, on ne voit pas que tel type de demande provoque tel type de réaction, mais que c'est plutôt des acteurs qui ont des campagnes qui sont prêtes et qui saisissent l'enjeu qui est disponible à un moment donné pour imposer, pour faire sortir leur campagne avec des fortunes diverses suivant les pays. Ce qui amène à une deuxième conclusion, c'est de se demander, au lieu d'essayer de savoir ce que sont les campagnes anti-genre, c'est de se demander ce que produit ce discours, à quoi il sert, à quoi il donne vie et ce qu'il constitue. Et ici, la volonté, c'est de revenir notamment à ce que disait John Scott il y a déjà très longtemps, il y a plus de 30 ans, quand elle disait que le genre est aussi, et j'ai envie de dire avant tout, une manière de signifier des rapports de pouvoir. Un champ par lequel et à travers lequel sont articulés des rapports de pouvoir. Et donc de s'interroger sur les rapports entre genre et pouvoir, et de se dire que le genre, souvent, parle plus que de genre. Qu'à travers le genre, on parle de beaucoup plus d'autres choses, et je dirais peut-être, à part pour le pape, la plupart des acteurs dont j'ai parlé, en fait, ont un intérêt qui va bien au-delà des droits des femmes ou des droits des minorités sexuelles. Et je pense que dans beaucoup de cas, il faut élargir la perspective et de se demander dans quelle mesure le genre est un symbole ou un langage à partir et à travers duquel on va parler de pouvoir, dans le sens le plus traditionnel du terme. Et donc, je pense que la perspective du backlash va attirer beaucoup trop à la fois les chercheurs, les observateurs, les acteurs sur le terrain, attire beaucoup trop l'attention sur ce qui est attaqué et beaucoup moins sur ce qui est construit. C'est-à-dire, on voit des attaques et on a l'impression que c'est juste un projet qui est contre quelque chose et on voit beaucoup moins dans quel cas c'est aussi un projet pour quelque chose, pour construire autre chose. Et je pense que là, l'idée, c'est de déplacer le regard et de se demander qu'est-ce qui est en train d'être construit et qui, effectivement, ne laisse pas de place pour les droits des femmes ou les droits des minorités sexuelles, mais qui va bien au-delà. Et par exemple, cet exercice, je l'ai fait brièvement pour la question de la liberté académique. Ou par exemple, si on prend les attaques contre les études de genre qui se multiplient un peu partout, ben on peut dire, voilà, c'est juste un autre épisode des campagnes anti-genre. Ce n'est pas faux, mais par exemple, si on regarde la Hongrie, on se rend compte qu'il y a une attaque contre la liberté académique de manière générale en Hongrie et que les attaques contre les études de genre ne sont qu'un élément d'un combat beaucoup plus large de la part des autorités hongroises qui doit nous amener à réfléchir plus largement sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on voit par ailleurs, par exemple en Hongrie, c'est que ce n'est pas seulement un combat pour démanteler ou attaquer la liberté académique et les institutions académiques, c'est aussi un combat qui vise à promouvoir un autre type de connaissance, d'autres critères de ce qui est vrai, de ce qui est jugé comme vrai, et avec un engagement qui est vraiment un engagement dans le combat pour quelles sont les idées qu'on défend et quels sont les savoirs qu'on défend. Et donc je pense qu'il faut élargir la focale et il faut l'élargir sur les débats par rapport à la régression démocratique. Et essayer de placer ces débats sur les campagnes anti-genre dans des questions plus larges, qui sont les questions de ce qui se passe aujourd'hui avec la démocratie, et de comment c'est en fait juste un outil dans une palette de choses que des acteurs qui veulent s'attaquer à la démocratie libérale peuvent utiliser. Et c'est ce qu'on voit, je pense, dans beaucoup d'endroits. Dans le Brésil de Bolsonaro, ce ne sera pas très différent, je pense. C'est juste un outil dans une palette plus large. Et donc, ça amène à la dernière conclusion, au dernier élément. C'est juste de dire, ben voilà, vous connaissez tous et toutes l'histoire de Frankenstein, et donc je vais reprendre un petit peu ça, pas pour dire que, comment dire que, enfin, si, je vais vous dire que l'idéologie du genre est une idéologie Frankenstein, mais pas pour dire qu'elle est monstrueuse, ce qui je pense est trop facile, et de dire que le genre serait un monstre, vous avez des caricatures polonaises qui montrent ça par exemple, mais pour insister sur trois points éléments qui je pense nous aident à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est que premièrement, l'idéologie du genre, comme le monstre de Frankenstein, n'est pas issu de l'ignorance, mais que c'est issu d'un véritable projet intellectuel. C'est issu de l'érudition, peut-être dévoyée, ça je vous laisse choisir, d'un certain nombre de penseurs et de penseuses au service d'un projet politique.
Et donc de croire que ces campagnes ont lieu parce que les gens sont ignorants et que si les gens seront plus instruits, ces campagnes disparaîtront, je pense que c'est malheureusement naïf et que ça ne marchera pas. Deuxième élément important, ben, si vous connaissez l'histoire de Frankenstein, Frankenstein n'est pas le nom du monstre, c'est le nom de l'inventeur. Et on a longtemps, et dans le discours courant, on a une confusion entre le créateur, Frankenstein, et le monstre qui a été créé. Et je pense que dans, souvent aussi pour les campagnes anti-genre, on confond, et y compris moi pendant un certain temps, on confond le créateur, c'est-à-dire le Vatican ou l'Église catholique, et le monstre, ce qui vit. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre ce qui s'est passé dans l'Église catholique et ce qui se passe plus largement avec l'idéologie du genre. Et enfin, et ça m'amène à la troisième conclusion, c'est que si vous avez lu le roman de Frankenstein, vous savez que la créature va échapper à son créateur, ce qui va générer d'abord une sensation d'effroi chez le créateur avant d'essayer de récupérer sa créature. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui avec l'idéologie du genre. Je vous ai dit comment l'idéologie du genre aujourd'hui échappe largement à l'Église catholique qui l'a créée. Et je pense que ce monstre a sa vie propre, indépendante de celui de l'institution qu'il a créée. Et avec ça, je vous remercie.